Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour mon petit nez rouge puis ma petite voix grippée, mais hein, c'est ça la vie, c'est ça l'hiver. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de notre, 2 de notre collaboration avec Maman Simplifiée. Donc, dans cette vidéo-ci, ben là, je vais vous montrer la recette que je propose, que j'ai créée pour Maman Simplifiée selon les critères qu'elle m'a donné dans notre autre vidéo. Le lien est dans la barre de description en bas. Donc, pour ceux qui ont manqué la première vidéo, ben, je vous invite à aller la voir. Mais en gros, c'est qu'elle me donnait trois critères que je devais respecter puis créer une recette avec ça. Donc, c'était pour faire un déjeuner sans sucre ajouté pour rester dans le thème de mon défi pas de sucre. Fait que je vous invite à aller voir la recette immédiatement! C'est ça pour la recette que j'ai créée pour Maman Simplifiée. Donc, c'est un overnight oat, un gruau. Puis, je me suis dit, Kirin, il me semble que ça serait bon de mettre de l'avocat là-dedans. Moi, je suis vraiment une fan de gruau maison comme ça qu'on met dans le frigo. Puis qu'on laisse reposer toute la nuit pour le lendemain matin. Puis, je n'avais jamais vu passer avec des avocats. Mais je me suis dit, c'est toujours tout que ça se passe. Pour être 100% honnête avec vous, j'ai pas full goûté. Fait que, en tout cas, je pense que c'était bon. C'est sûr que Danielle va pouvoir nous le dire plus, elle, si c'était vraiment bon. Mais moi, je suis tellement congestionnée que... En tout cas, mais Alexis a goûté, il m'a dit que c'était bon. Puis moi, je pense que c'était bon. Puis ça a l'air bon. Ça devrait être bon. En tout cas, Danielle, tu me diras ce que t'en penses. Donc là-dessus, je vous dis bye-bye. Puis on se voit à la partie 3 où ce que moi, je vais goûter à la recette que Danielle m'a créée. Salut!